Et parlons du programme Graines, justement, nous recevons sur ce plateau M. Léandre Bouloubou. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous n'êtes plus à présenter, vous êtes le coordonnateur général du programme Graines. Vous venez sur ce plateau pour nous parler donc de cette journée, l'organisation de la journée Graines Ogwelolo à Libreville, et ce sera vendredi prochain. D'emblée, pourquoi cette journée? Je vous remercie. Et d'entrée de jeu, je voudrais souhaiter à nos compatriotes musulmans qui participent au programme Graines, donc une bonne fête d'Aïd El-Kébir. Oui. Et dans le sillage donc, du lancement de ce programme à Oyem par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, la coordination générale donc, du programme Graines a mis en place un concept de communication de proximité. Donc nous organisons pour toutes les provinces ce que nous appelons une journée Graines pour chaque province. Donc nous avons commencé avec le Gololo dès demain à la Chambre de commerce à partir de 14h. Nous invitons tous les ressortissants de cette province ou résidents ici à Libreville à venir donc échanger sur ce vaste programme pour discuter des enjeux et pour relayer les messages donc du président de la République, chef de l'État, qui souhaite que ce programme soit prioritairement adressé aux jeunes, aux jeunes déscolarisés, aux jeunes sans emploi, aux jeunes qui se cherchent, qui n'arrivent pas à s'en sortir, et que donc nous on est là pour donc donner la bonne information et permettre à ces jeunes-là de participer à ce programme et à d'autres de relayer le bon message. Alors, vous avez englobé déjà, on va dire, toute l'information est passée. Vous vous lancez, on va dire, tout simplement pour boucler, vous vous lancez là dans une vaste campagne de sensibilisation. C'est une vaste campagne de sensibilisation parce qu'on s'est rendu compte effectivement qu'il y a un déficit d'information. Donc la population s'est plainte de ceux qu'ils n'ont pas toutes les informations et tous les outils nécessaires pour comprendre comment le programme fonctionne. Alors c'est pour ça que nous avons initié ce concept. Nous commençons par le Gololo pour une simple raison, c'est parce que nous pensons que la prochaine étape, ce serait soit le Gololo, soit l'Angounié ou le Haut-Ogoué. Donc nous avons anticipé le déplacement du président de la République et nous sensibilisons donc ces compatriotes qui sont originaires de ces provinces, sachant qu'une deuxième phase sera organisée dans chaque lieu de province. D'accord. Donc la prochaine étape, ce sera Koulamoutou. Merci à vous, Léandre Bouloubou. Simplement rappeler que cette journée Graines Ogwelolo à Libreville, c'est vendredi prochain, donc demain à la Chambre de commerce de Libreville dès 14h.